plus près de vous. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Bonjour à vous, Sbah al Khair, Azul Flaouin. Nous sommes le 14 janvier 2024. Je reviens, oui, comme tous les dimanches, lundi, mardi, pour vous accompagner de 10h à 11h avec des sujets variés qui parlent de notre quotidien. Et ce dimanche, on s'intéresse à cette unité motocycle de la wilaya d'Alger qui arpente les rues d'Alger pour essayer de détecter là où il y a des détritures, là où il y a des fuites d'eau, là où il y aura des choses à faire pour que vous viviez dans un milieu quand même un peu plus propre et un peu mieux. En tout cas, on en saura un peu plus dans quelques instants, en compagnie de nos invités qui vont s'installer. Et puis, il y a évidemment, comme chaque dimanche et mardi, la rubrique de Hafeda Hamouche qui s'intéresse ce matin au tapage nocturne. Il y a même du tapage dans la journée, hein, au fait, Hafeda Hamouche. Il faudrait aussi qu'on signale. On ne peut plus avoir un moment silence. On peut un petit peu se retrouver chez nous. Il est 10h05, en tout cas, on est dans un monde incertain. Un génocide toujours en cours avec la complicité d'un Occident. Et malheureusement, on est toujours anéanti quand on voit toutes ces images qui nous arrivent de la Palestine de tout corps, encore et toujours avec la Palestine. 10h05, on écoute une chanson et puis évidemment vos interventions au 021 48 15 15 sont les bienvenus. Et voilà, ça démarre, il est tout juste 10h09. Plus près de vous. Besoin de comprendre, de savoir. Justice. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. À 10h10, le tapage nocturne, c'est le thème de votre rubrique ce matin. Hafed Ahmouch, bonjour. Bonjour Badia, bonjour à tous. Le tapage nocturne, ou plus exactement la nuisance sonore, est un désagrément que subissent beaucoup de citoyens, pour ne pas dire tous les citoyens. Cette pollution sonore dérange beaucoup la tranquillité et la quiétude dans les espaces publics, et même sur les balcons des habitations. Cette nuisance peut avoir plusieurs origines, Hafeda, lesquelles? Alors cela va des baby-foot et des billards installés sous nos balcons par des jeunes dans beaucoup de quartiers, aux salles de jeu. Il y a également les travaux sur la voie publique, notamment les klaxons, les cris des jeunes qui s'amusent entre eux à des heures tardives, notamment pendant le mois du Ramadan et bien entendu pendant l'été. En fait, le bruit est pratiquement partout et j'ai envie de dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Malheureusement, l'été est surtout synonyme pour certains de tapage et autres nuisances sonores, sans aucun respect pour ceux qui aspirent à un peu de repos après une journée de travail ou au repos des personnes malades. Il y a également la mode des motos vrombissantes, surtout le soir. Pourtant, la loi est claire. L'article 442 bis du code pénal stipule que ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruit, tapage, attroupement nocturne et utilisation d'appareils sonores par des jeux collectifs ou autres sont punis d'une amende de 100 à 1000 dinars et peuvent être emprisonnés pendant 10 jours au plus. Il faut savoir, Bédéa, que les nuisances sonores, comme vous le disiez tout à l'heure, peuvent être de plusieurs sortes. Il peut s'agir de bruits causés par des animaux, aboiement d'un chien, présence d'un poulailler, par les hommes pendant les fêtes, les hurlements, les disputes, travaux et j'en passe. Le bruit affecte non seulement la qualité de vie, mais également la santé des citoyens à partir d'un certain seuil de volume sonore. Hafeda. Alors, il faut savoir que les niveaux sonores maximum admis dans les zones d'habitation et dans les voies et lieux publics ou privés sont de 70 décibels en période diurne, c'est-à-dire de 6h à 22h, et de 45 décibels en période nocturne, donc de 22h à 6h du matin. Ils sont donc considérés comme une atteinte à la quiétude du voisinage, une gêne excessive, une nuisance à la santé et une compromission de la tranquillité de la population. Toutes les émissions sonores supérieures aux valeurs indiquées sont interdites. Et donc, le bruit est interdit également tout bruit d'animal susceptible de troubler la tranquillité du voisinage lorsqu'il est causé entre 22h et 6h du matin. Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont donc responsables du bruit de ces animaux qu'ils peuvent donc causer.
La pollution sonore dérange la tranquillité dans les espaces publics, les hôpitaux et les établissements scolaires. Un cinquième de la population souffre de troubles auditifs. Selon les experts, il est établi que la pollution sonore comporte le risque de troubles de l'audition, en plus des troubles du sommeil, troubles psychologiques ou encore les troubles de l'apprentissage chez l'enfant. Selon les spécialistes, une exposition chronique à un niveau sonore trop élevé peut entraîner des maladies cardiovasculaires. En tout cas, la réglementation acoustique chez nous reste malheureusement insuffisante et beaucoup, beaucoup reste encore à faire, BDA. Tout à fait d'accord avec vous, surtout en après-midi, vendredi, la chignole. Les travaux. Toute la semaine. Vous vous attendez à ça faire une. À 8 heures du matin. Voilà, faire une petite sieste et voilà. Et ça se termine à voilà, 2 heures. Et ben merci beaucoup, Hafed Ahmouch. On vous retrouve mardi pour un autre sujet. Il est 10h13. Nous sommes en direct jusqu'à 11h. Si vous avez envie de participer à l'émission, n'hésitez pas. Nous parlons ce matin de cette unité motocycle de la Huila d'Alger et nos invités sont M. Berkani Abdelli, il est ingénieur en environnement responsable de l'unité motocycle de la Huilaïa et M. Yassine Bali, il est responsable des opérations de l'unité motocycle de la Huila d'Alger. Bonjour messieurs, merci d'être en direct avec nous. Mahaba Bekoum. Merci à vous madame. Merci, alors, bonjour. Première question peut-être pour vous M. Berkani Abdelli, donc cette unité de motocycle, la Huila d'Alger existe depuis 2 ans. Peut-on la présenter à nos auditeurs et quel est son rôle? D'accord. Merci madame. Merci pour votre invitation. Mm-hmm. Alors, on sait que la Huila d'Alger, elle fait face à des enjeux cruciaux en matière d'hygiène, de salubrité publique, de gestion urbaine, par rapport à la croissance démographique, à l'urbanisation rapide et à la gestion des déchets. Tout ça nécessite une approche novatrice pour assurer un environnement propre et sain pour les résidents. Alors l'utilisation d'une unité motocycle, c'est-à-dire les responsables de la Huila d'Alger, en tête M. Louali d'Alger, M. Mohamed Abdelnour Rabhi, c'est-à-dire ils ont songé à la création d'une unité motocycle au niveau de la Huila d'Alger. Cette unité motocycle, elle facilite, c'est-à-dire cette unité motocycle, elle est chapeautée par des contrôleurs de voirie, c'est les postes. Alors pour faciliter les premières missions, voilà, pour faciliter, c'est-à-dire les pour accéder à des différentes zones de la capitale. Alors l'unité motocycle de la Huila d'Alger a été créée pour but de réduire le temps de réaction et d'intervention par rapport aux intervenants, c'est-à-dire le scooter, et c'est le contrôleur de voirie, quand il signale un point. Le temps de réaction, il est rapide. Il est très rapide. Oui. C'est-à-dire, c'est le. Donc, l'objectif. Alors, quel est le principe? Donc, ils sont. C'est une unité de combien de motocycles? Et monsieur, vous êtes le responsable. Hein, vous êtes sur le terrain. Alors, vous êtes combien à circuler dans la ville? On est 14 motocycles qui font qui sillonnent et qui signalent les points noirs. Oui. On a les 16 autres pour signaler le retard de la collecte. Oui. Et on a récemment les 3 scooters qui vont sillonner les cimetières d'Alger. D'accord, mais alors comment il y a un plan de travail, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, M. Barkani? Donc, alors, pour un début, l'unité motocycle, elle est composée de 2 parties. Oui. La première partie, c'est la partie, on a une cellule technique en amont, au niveau de la wilaya d'Alger. La cellule technique, c'est le cerveau de l'unité motocycle. C'est-à-dire, cette cellule technique, elle est c'est-à-dire composée de plusieurs cadres, analystes, ingénieurs, c'est-à-dire pour réceptionner, planifier et coordonner les opérations sur le terrain. Alors, cette cellule technique, elle est composée après sur le terrain, maintenant 33 contrôleurs de voirie répartis respectivement 1-2 contrôleurs par circonscription administrative. 1, tout ce qui est point noir relatif à la gestion urbaine, voilà. La bonne gestion urbaine. Le deuxième, c'est tout ce qui est collecte de déchets ménagers assimilés, gravats, encombrants, voilà. Où nous avons aussi une troisième brigade, c'est la brigade pour veiller à la bonne gestion des cimetières de la wilaya d'Alger. D'accord. C'est-à-dire leur travail. Quel est le plan de travail? Comment ça se passe sur le terrain? Racontez-nous. Alors, Monsieur Yassine Bali ou Monsieur Berkani. Les directives, ils retournent de bon matin, Donc il y a le plan de travail. Il y a un plan de travail, bien sûr, avec
monsieur Berkani, on est le soir, on a un plan de travail qui est, par exemple, quand l'Iomad, Tufuna, les points noirs de toutes les circonscriptions d'Alger. Et alors, on a 14 motocycles, et alors, on a les sièges d'Alger. Oui. Et alors, pour signaler les points noirs qui existent. D'accord. Alors vous faites un tour dans toutes les communes et après, est-ce que alors ils prennent note ou là, comment ça s'organise? Comment l'information vous arrive à vous, la direction, monsieur Berkani? On est entré dans la numérisation et la digitalisation, c'est-à-dire on a trois plateformes. La première plateforme, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire, la géolocalisation, c'est une matrice de surveillance et une jauge d'analyse. C'est-à-dire, une infrastructure de surveillance reposant sur, c'est-à-dire la géolocalisation, destinée à capter en temps réel les déplacements des intervenants en terrain. Elle permet aussi de calibrer les parcours, de contrôler le respect des itinéraires, d'évaluer les performances des individus. Alors, le contrôleur de voirie, quand il sort, donc la circonscription administrative, elle est grande. Kimad al-Beda, c'est 7 communes. Les 7 communes, pour les couvrir avec 4 contrôleurs de voie. D'ailleurs, la seule CL, on a des limites à 4. Chaque circonscription administrative, 15 août, la d'Albeda, 7 vous communes. Vous voulez dire 2 unités C'est 2 et 2. D'accord. Voilà, okay. C'est 4. C'est-à-dire le nombre de communes à la superficie. Donc, on a pour bien maîtriser avec le zoning de la circonscription administrative. Chaque jour, on trace des itinéraires de suivi. Chef le jour Hada. L'autre jour, il y a un planning de Giro. Hadi pour, c'est-à-dire contrôler les contrôleurs Tana. Le deuxième point, comment signaler l'anomalie et la transmettre. La transmettre directement à la cellule. À la cellule. Alors, on a un groupe. C'est une plateforme numérique qui contient plus de 150 responsables et cadres dirigeants de la wilaya d'Alger. 150. On commence par monsieur Ouali d'Alger, les 14 Ouali délégués des circonscriptions administratives, les directeurs de l'exécutif, à savoir le directeur des ressources en eau, DTP. Nous avons aussi les 23 EPIC de la wilaya d'Alger. Donc vous leur faites parvenir les étapes ou ce qui se fait sur le terrain. Le scooter, il prend la photo. Il prend la géolocalisation. Ok. Et il détermine l'anomalie, le type d'anomalie. Alors, dites-nous quel genre d'anomalie nous trouvons sur le terrain, monsieur Berkani. Sur le terrain, là, on va des déchets, de l'assainissement, de la voirie, de la signalisation horizontale, verticale. On a aussi des domaines de la saison hivernale, des plages de la saison estivale, des mosquées. C'est-à-dire, on essaye de toucher le maximum de ces points. Juste pour continuer, c'est-à-dire le contrôleur de voirie, quand il signale, et il envoie dans la plateforme à T0. Tout le monde voit l'anomalie. D'accord. Le ça, premier responsable. Donc, pour que l'information touche tout le monde. Il sait. Oui. Hnal Timbak, le qui a de droit, c'est-à-dire pour intervenir, il va intervenir directement en traitant l'anomalie et en mettant une photo avant et après le traitement. Dans la cellule technique en amont, c'est-à-dire on est en train de numériser tout ça avec des logiciels, de la géolocalisation géographique. C'est-à-dire, on est allé vers la modernisation. C'est-à-dire, le point noir, pour nous, c'est un numéro. C'est un numéro, il clignote toujours en rouge. Oui, ça veut dire que ce n'est pas encore réglé. Donc, alors, depuis deux ans, qu'est-ce que... Allez-y, si vous voulez intervenir, M. Yassine Bali. Sur le terrain, est-ce que les citoyens sont coopératifs? Est-ce qu'on discute avec eux? Vous allez? Comment vous intervenez? Il y a plusieurs cas où ça arrive qu'ils interviennent... Le scooter, quand il passe, il leur demande. Par exemple, il y a une fuite d'eau, il y a un problème de... Surtout les camionnandais, on n'allait pas les voir demain. Bien sûr. Donc c'est les citoyens qui nous interpellent. Ils nous demandent quand ils passent ce scooter-là, monsieur, s'il vous plaît, on a des camionnandais, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, à ce moment-là, le scooter le suit. Il voit ce qu'il y a, il prend la photo. Il prend la photo, il l'envoie sur la plateforme. Les intervenants,
Non, mais c'est faux. C'est dans son domaine, dans sa commune, dans il sa intervient. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes habillé cette unité de motocycle à Alger pour vous reconnaître? Une charte graphique, oui. Qui est en vert fluorescent, oui. Avec une bande rouge, oui. Et les tenues, c'est des tenues noires. Oui, là, d'Alger, Alger la blanche. D'accord. Donc pour qu'on sache que c'est, ouais. Donc c'est des petits motocycles. La plupart doivent. C'est des scooters. Des scooters, d'accord. Des scooters jaunes, oui. Florissants. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une idée depuis 2 ans? Quel état des lieux vous faites, Monsieur Barkhane, en tant que responsable et ingénieur d'environnement de cette unité? D'accord. Là, à l'issue de 18 mois d'efforts soutenus, l'unité motocycle a réussi à circonscrire les multiples zones critiques demandant une surveillance accrue. Mmh. C'est-à-dire, depuis les 2 ans, on a pu créer une base de données et d'identifier les zones critiques où il y a des points noirs récidifs, où il y a des problèmes, l'intervention est quotidienne. Mmh. C'est le premier point. Parlons de chiffres. Depuis les 2 ans à Douma, on a pu signaler, c'est-à-dire juste la signalisation, plus de 12 000 anomalies. Bah oui. 12 000 anomalies, c'est-à-dire sur tout le territoire, en fait, sur les 57 communes, les 14 circonscriptions administratives. Okay. Voilà. Alors, sur les 12 000 anomalies, on peut citer 500 décharges sauvages éradiquées. Oui. Sur les 500, nous avons 300 éradiquées totalement, c'est-à-dire l'éradication totale. Par exemple, totale. Donnez-nous, c'est de quel côté vous avez éradiqué? Vous avez c'est-à-dire la transformation des décharges en espace vert, en aire de détente. 300 lieux. Voilà, de l'année 2023. Oui. Alors, nous avons aussi les fuites, il y a un nombre très important énorme. Des fuites. Et des fois de l'eau potable. L'eau potable et c'est ce qui fait mal au cœur. Ouais. Voilà. Par rapport au domaine, quand on parle de domaine, on a des dossiers qui englobent les domaines. Quand on parle à l'approche du mois de Ramadan, ça fait une semaine, on a fait un travail acharné, on a essayé on a fait la totalité des mosquées, les 742 mosquées de la wilaya d'Alger. On a diagnostiqué l'état des lieux, des alentours des mosquées, c'est-à-dire pour voir l'état des mosquées, les itinéraires vers les mosquées, les placettes, les... Voilà. 745 mosquées sur tout le 57 de la wilaya d'Alger. Okay. Voilà. C'était un travail d'une semaine. Oui. Ça veut dire, est-ce que vous vérifiez par exemple leur stationnement pendant le Jumu'a, s'ils ne gênent pas les autres? Non. Comment vous faites? Je veux dire, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à l'hygiène, la salubrité publique. D'accord. À la gestion. Parce que souvent, il y a aussi des problèmes qui se posent à côté d'une mosquée. Le stationnement. Bien sûr, c'est le volet à l'âme. D'accord. C'est la sécurité. Voilà, il faut déterminer, tout à fait. Nous, c'est la voie publique, c'est la gestion urbaine, c'est l'hygiène, la salubrité, les anomalies liées à ces domaines-là. D'accord. C'est-à-dire, par rapport à ce dossier, on a pu diagnostiquer des anomalies. De la mise en état de la chaussée, à l'éclairage public, aux espaces où il est Tarawih, on sait qu'il y a des espaces où l'extension de la mosquée va vers les quartiers, les espaces, l'état. C'est-à-dire, chaque dossier, on anticipe. Oui. Donc, on est dans la saison estivale. Avant d'arriver à la saison estivale, est-ce qu'il y a eu, donc là vous avez parlé, les interventions, ça commence où, ça s'arrête où? Est-ce que c'est juste la voie république? Si quelqu'un les interventions, ça dépend. Monsieur Yassine Bali. Les interventions, ça dépend de la qualité de l'anomalie. Oui. Quelle est l'anomalie? Ça se traite un instant. Oui. Quelle est l'anomalie? Ça se traite deux, trois jours. Mais est-ce que vous intervenez pour, par exemple, pour une terrasse, pour un palier, à l'intérieur des immeubles. Est-ce que on vous appelle pour ça, par exemple? Je fais madame. Oui, monsieur Barkhane. Alors, ça commence où? Votre intervention, elle s'arrête où? La voie publique, madame. Surtout, c'est la voie publique. On gère la voie publique. Tout ce qui est anomalie, une lampe qui ne s'allume pas. C'est votre problème. Les escaliers en mauvais état pour passer. Quand il y a des déchets non enlevés, quand il y a surtout les eaux d'assainissement. Les eaux d'assainissement, c'est un problème. Un bac, les passants derrière, les hakaléha. Les maladies de transmission hydrique et tout. Néanmoins, monsieur le Wali d'Alger, il peut nous donner des instructions, c'est-à-dire pour voir. Dernièrement, on a vu l'état des balcons. Oui.
au niveau surtout l'hypercentre. Oui. Il y a des balcons par rapport à la réhabilitation et tout. On a fait un diagnostic de l'état des lieux, des les balcons. Les immeubles non démolis, par exemple, qui ont été. Récemment, voilà. Et c'est vrai que les balcons, parfois, ça peut être dangereux, hein, on les voit. Donc ça aussi, vous pouvez intervenir s'il y a selon signalement. L'instruction. C'est-à-dire, généralement, nous, c'est la voie publique. C'est-à-dire, monsieur, comme tout ce qui est déchets, tout ce qui est avaloir, assainissement. D'accord. Par exemple, vous pouvez signaler quand il y a beaucoup de bennes à ordures et que les citoyens ne trouvent pas assez de bennes à ordures. Est-ce qu'il Bien vous sûr. Le vous le notez aussi? Un retard de collecte, oui, ou le manque de bac. Oui. C'est un autre problème aussi. Aussi. Donc, la collecte se fait à l'heure. Oui, les mauvaises odeurs et tout. D'accord. Donc. Une intervention est signalée, par exemple dimanche. Combien de temps l'unité de motocycle de la UAE d'Alger intervient? Combien de jours vous mettez pour régler Ça, un. ça. Ce n'est pas à nous de régler. Oui, mais notre travail, vous c'est le de suivez. Signaler. Oui, mais vous. Donc, Anaya, le temps de réaction, oui, le temps voilà, comment d'intervention. Le temps d'intervention, c'est-à-dire, qui m'a parlé, M. Bali, il diffère par rapport au type d'anomalie. Oui, mais en général, donnez-nous des exemples. Un exemple, le Voilà. retard de la collecte Oui. à T0. Oui. C'est-à-dire, il y a un retard, 10 minutes. On le signale, une demi-heure. Pas plus de 10 heures, ça ah va. Oui, d'accord, ah oui. D'accord. Ça, ok. Les fuites d'eau, par exemple, combien une de temps fuite vous mettez pour régler? donc la fuite d'eau, ça dépend. Vous appelez, est-ce que c'est à les concerner? Bien Vous sûr, l'appelez, bien vous lui sûr. signalez. Nous, on appelle la tutelle, la Ok. direction des ressources en eau, Oui. subdivisionnaire, où Oui. est le délégué, il est en place. C'est-à-dire, quand il voit l'anomalie, directement, il bat les équipes TAO, il fait un diagnostic, il chauffe. Donc, si les travaux, parce que c'est des travaux, c'est un chantier, il y a des falo, il chauffe, où est la fuite à l'arrêt, c'est quoi le problème, ça prend du temps, 3 à 4 D'accord, jours. d'accord. Voilà. En général, 3-4 jours. Voilà. En tout cas, restez avec nous, chers auditeurs. Vos appels sont les bienvenus au 021 48 15 15 si vous êtes intéressé à poser des questions pour cette unité motocycle de la ULA d'Alger qui est mise en service depuis 2 ans et il y a eu 12 000 interventions. C'est ce que vous m'avez dit, Monsieur Barkhani. Si vous les avez vues, est-ce que vous avez vu que leur intervention a été rapide dans votre commune? Dites-le nous au standard d'Alger Chaîne 3. Et 10h36 minutes. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Plus près de vous, votre magazine sociétal s'intéresse ce matin à cette unité de motocycle de la ULA d'Alger, soucieux d'améliorer le cadre de vie du citoyen et dans une optique où on peut essayer de vivre dans une ville propre. Alors on peut signaler les points noirs et les zones critiques qui affectent tout ce qui trait à la gestion urbaine. Alors nous sommes en compagnie de nos deux invités, Yacine Bali, responsable des opérations de l'unité motocycle, donc c'est lui qui est sur le terrain, et le responsable, monsieur Berkani Abdli, il est aussi ingénieur d'environnement. Alors on a parlé du traitement de dossier, vous avez parlé de 12 000, monsieur Berkani, de dossiers traités, mais alors traitement de dossier et résultat, il y a eu à peu près combien de rendus? Alors pardon, les 12 000, nous Oui. avons à peu près 9 000 Oui. points ou anomalies, points noirs, qui ont été traités rigoureusement. Les 4 000 autres, il y a des points, ils sont traités. Ça. Sur les 4 000, il y a 2 000, mais c'est des points récidifs. C'est-à-dire, Ça surtout, revient. Ça revient. Oui. Les décharges, les fuites, c'est des points récurrents. On est en train d'essayer de les. Ça veut dire après, il faut régler le problème à la source. Je veux Voilà, dire, il faut essayer exactement. de. Exactement. Donc, vous avez pu. Et juste en parlant par rapport à cette unité, vous êtes 33 éléments. Exactement. Création d'emplois, ils ont été formés. Quel est leur profil? Ils viennent d'où C'est des jeunes, ces jeunes. jeunes? C'est des Oui, jeunes. monsieur Bali. Le moyen d'âge, 23, 24 ans. Oui. On les a formés. Quelle formation vous leur avez donnée? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Un motocycle, qu'est-ce qu'ils doivent savoir urbain pour signaler? Oui. En premier lieu, il doit se comporter, comment il doit se comporter avec les gens, comment il signale la fuite L'anomalie, d'eau, comment oui. et qui chauffe une fuite d'eau, qui fait parce que tout ça Oui, donc vous leur avez, vous, il y a eu une création d'emploi, ils sont, ces jeunes. Oui, allez-y, monsieur Berkani. Là, par rapport à la formation, il y a eu une formation de plus de 2 mois. Oui. Il y a eu des modules par rapport à
la conduite, le comportement, parce que c'est l'image de la wilaya d'Alger, donc il doit avoir la tenue impeccable, savoir parler avec les gens. Exactement. C'est important. C'est, on va dire, c'est un camarade à monsieur Louali. Bien sûr. Mettez vos casques, messieurs, on prend un appel au 021 48 15 15. On a Hakim qui nous téléphone. Bonjour, Hakim. Oui, bonjour. Vous allez bien, Hakim? Alhamdoulilah. Vous nous appelez de quel côté, Hakim? D'Alger. Exactement. D'Alger, c'est très grand. Ah, c'est belle, voilà. Ouais. Alors, dites-nous, comment ça se passe? Alors, pour commencer, donc, j'ai jamais croisé les motocycles. Oui. En dehors d'Alger Centre, oui. Je ne sais pas. Oui. Deuxième intervention, c'est par rapport, c'est juste une proposition, oui. Puisqu'il s'agit d'une application, donc, une application interne qui existe à leur niveau, donc ça serait mieux d'étaler ça au niveau public et de nous permettre d'intervenir et de signaler avec D'impliquer le citoyen. Voilà, d'impliquer avec la position GPS et donc tout le monde est équipé et peut faire ça. Mmh. Et donc ça va aider beaucoup. C'est vrai, c'est une remarque très, très juste. On verra ce que va dire le responsable. Voilà. Donc, une autre proposition. Donc, c'est de consacrer une autre émission pour la nuisance sonore. D'accord. Vous plaît. Ah bon, dites-moi, vous habitez à Sbella, il y a de la nuisance sonore. Vous êtes au niveau de l'ADL, vous êtes à quel niveau? Voilà, donc au niveau de l'ADL, donc, je peux dire que. Voilà. Donc il y a une confusion entre l'ADL et Netcom. Oui. Enfin, Netcom. Oui. Donc, donc on n'arrive pas à savoir qui est responsable du nettoyage et donc du ramassage. Oui. Et donc, à chaque fois, donc la responsabilité, elle est diluée. Oui. Donc, l'ADL prend les charges et donc ne nettoie pas. Mmh. Et le... C'est extranet, je pense. C'est pas net comme net, comme c'est juste pour Alger. Voilà, oui. Voilà, extranet. Mmh. Extranet fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a en dehors d'Alger Centre. Oui. Et donc, n'arrive pas à suivre. Mmh. Et voilà. Donc, d'accord. La situation. Donc, on vit un calvaire par rapport au. D'accord. Et bien, on verra les responsables de cette unité motocycle. Est-ce qu'elle monte jusqu'en haut? Voilà, entre les hauteurs. C'est les hauteurs d'Alger. Hein, c'est Bella. Merci, Hakim, pour votre appel. Ouais, allez, bonne journée. Merci d'être un citoyen consciencieux. C'est important de vivre dans son environnement et d'être dans un environnement propre. 10h40, vous voulez lui répondre, M. Barkhani, à notre. Alors, madame. Auditeur. Par rapport à ça, c'est par rapport aux citoyens, c'est-à-dire pour intégrer les citoyens. Alors le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement et l'Agence nationale de déchets, l'AND, ils ont créé une plateforme numérique. Elle est téléchargeable, c'est-à-dire application store. Elle s'appelle NDEF. Ok. Voilà. NDEF. NDEF. Vous allez cette la application. Oui. Tablir. Oui. On prend la photo, on désigne l'anomalie, c'est-à-dire, et on envoie. Là, on est en train de collecter les données de cette plateforme. D'accord, donc c'est-à-dire on a séparé tout ce qui est... La plateforme s'appelle Tablir. Vous prenez la photo, vous le faites là en direct. La plateforme, elle s'appelle NDEF. Voilà, donc que les citoyens puissent prendre la photo du lieu, avec l'adresse, la géolocalisation. Ok. Bon, ben, ces informations-là, cette base de données, elle est transmise à la wilaya d'Alger. On traite et on envoie à qui de droit. Mais comme Hakim a fait une remarque, il a dit on n'a pas vu les unités de motocycle sur Sbella. Est-ce que vous allez Sbella, sur les hauteurs? Bien sûr. Yassine Bali. On essaie de... On a touché tous les coins d'Alger. On a mal à l'affaire, on a Ouad-Djouadjila Fergaïa. Le Kamassi Scooter, il l'a signalé. Ok. Ouad-Djouadjila, tu fais à l'extrémité. On a... Le côté Zeralda, on a 14 scooters qui sillonnent toutes les APC d'Alger, où les touchent à tous les coins d'Alger. Oui. On a Alger, c'est la capitale. Oui. On a pour nous, mais d'accord, on fait de notre mieux Alger Centre, mais notre but, c'est sillonner tout Alger. Déjà, monsieur Barkhani, qui décide de l'itinéraire? Comment se fait madame, l'itinéraire? La répartition, oui, elle comment est équitable, elle se fait, madame. Oui. On a deux contrôleurs par circonscription administrative. Okay.
Dans l'arrière, on a deux contrôleurs. Ça dit les deux contrôleurs. Donc, on va mettre la rage béante. Oui, donc, ça dépend. Voilà. Alors, quels sont les horaires de travail, quels sont les... Oui, alors dites-nous justement. Alors, les horaires, c'est de 8h oui. jusqu'à 16h. Oui. On a des journées où on a l'éclairage public, la collecte nocturne, les fuites, c'est-à-dire les fuites. Il y a des journées où on a des fuites. D'accord. Voilà. Donc, mais vous faites, on va dire, c'est des horaires administratifs, 8h, 16h, c'est oui, ça. C'est ça, oui. D'accord. Ça, post-déjeuner, ouais. Ou vous faites. Là, votre... Ça dépend. Ça dépend. Mais sinon, vous êtes... Là où il est, il oui. prend sa pause, il oui. prend son déjeuner, après, et après il reprend son travail. Il travaille jusqu'à 16h. Mais bon, du côté de ce bel-là, Khalik Machafou. Donc peut-être qu'il faut aussi y aller bien sûr. Voilà, l'unité. Alors, une autre question, on avait parlé donc de la création d'emplois, Monsieur Berkani, de ces jeunes que vous avez formés, donc, à savoir reconnaître ce que c'est une décharge, ce que c'est peut-être un dépotoir anarchique, donc c'est tout ça. Exactement. Des formations. C'est par rapport, on parle de, par rapport aux avantages, l'amélioration globale de l'hygiène, de la salubrité de la capitale, la réduction des points noirs, la gestion efficace des ressources. Maintenant, on parle là de création d'emplois verts. C'est-à-dire, il y a des... Maintenant, on est en train de créer, c'est, on va dire, le poste de contrôleur de voirie. C'est pas une fonction, c'est un métier. C'est-à-dire, il faut qu'on a besoin, avec qui m'a besoin. C'est la même chose, c'est-à-dire, on va aller vers ça, nous. Le contrôleur de voirie... Sauf nous, on ne va pas vers l'espace. C'est-à-dire, il peut différencier entre... Mais peut-être que parfois, ça devrait. Ouais. 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 Alors justement, il y a aussi un appel que vous voulez sensibiliser et informer le citoyen pour qu'il s'implique avec vous un bien peu plus sûr, dans, madame, cette, dans le travail de cette unité. Bien sûr, je vous remercie. Madame, quand on voit des points noirs récurrents, c'est-à-dire la collecte, elle se fait, les bacs qui sont nettoyés, puis après, les citoyens, quand ils ne respectent pas les heures de collecte, qui sont différents de commune à une autre, hein, il faut le rappeler. C'est ouais, pas... ouais. Ouais. Bien sûr, mais il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des porte-à-porte qui distribuent des dépliants dans chaque commune. Il y a des départements de communication, de sensibilisation au niveau des deux épiques net comme extranet, même à Srout. À Srout, vous travaillez avec eux aussi? Bien sûr, c'est des épiques de la ville. Alors eux aussi, ils font un tour le matin ou ils ont un plan de travail? Bien sûr, c'est l'encombrement. Quand on parle de déchets, qu'est-ce qu'il y a dans ce déchet? Les déchets, ils sont répartis en déchets ménagers et assimilés. Là, on parle de Netcom et Extranet. Netcom, c'est les 5 circonscriptions administratives, c'est l'épicentre. Les 31 communes restantes, c'est l'extranet. Quand on parle d'encombrant, de gravats, là, c'est Asselout. Asselout, c'est l'ensemble des communes de la wilaya d'Alger. Et il doit intervenir dans les plus brefs délais. Je veux dire, vous le signalez. Bien sûr. Oui. Mais il y a des points, madame. Donc, un citoyen, entre parenthèses, il y a des... sa cuisine, ma badish hab 80 millions ou là, on bat un bon de 80 000 plus la décharge ou il charge le gars à la voie publique. Là, surtout madame, les cités nouvelles de Malédar, c'est catastrophique, madame. Quand ils font des transformations, ils laissent tout. Mais ils traînent, c'est comme Daro. Ok, c'est comme Daro, ils remettent le sac de gravats n'importe où. Mais c'est ça quoi, madame, tu peux même, c'est la flotte, là, tu mobiliser la flotte de la commune, mais je te le fais de l'eau, le citoyen. Le vol des avaloirs. Oui, alors ça continue encore, on en parle depuis tellement d'années de ces vols d'avaloirs. Qu'est-ce qu'on dit, madame? On oublie, nettoyer, c'est bien. Oui. Mais ne pas salir, c'est encore mieux. Oui. C'est ça, c'est-à-dire... Parce que dans Farogal, c'est-à-dire les... Et est-ce que vous parlez avec les jeunes du quartier, les représentants d'un comité de quartier, les associations, pour un peu les sensibiliser, pour la propreté de leur lieu de vie? C'est Monsieur Bali. Est-ce que vous sentez que le citoyen a envie de... Non, quand même, ils ont civilisé, ils savent la on interpelle les scooters, c'est ça, il sait quel est le rôle de ces scooters. Quand il intervient, c'est pour photographier, signaler ça aux épiques, aux épiques, la déléguée. Mais il y en a qui mettent même des petits pots de fleurs à côté de leur petit balcon, leur petite fenêtre et tout. Il y a des alhamdoulilah, disons, machallah, de civilisation. Donc le problème qui se pose le plus souvent, c'est tout ce qui concerne les gravats, les gravats, les fuites d'eau.
les fuites d'eau, oui. C'est-à-dire qu'avec la conduite vétuste, ils font de leur mieux. On leur signale les fuites à dos, ils mettent le temps possible pour réparer. Le point le plus important qui m'a rendu M. Bali, nous, notre rôle, c'est de... On est comme un projecteur. Un projecteur pour les responsables. Un responsable, il ne peut pas être sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, vous donnez rendre compte. Oui. Et d'ailleurs, vous me disiez que donc, même le Wali d'Alger a le compte-rendu de travail journalier. De l'unité, journalier. Il a le temps de voir ce qui... C'est une priorité de la wilaya d'Alger. C'est l'environnement, l'hygiène, la salubrité, c'est la priorité numéro un de la wilaya d'Alger. Chez le Wali, il donne une importance primordiale à ce dossier-là. C'est-à-dire, du fait que chaque fin de journée, il y a un rapport détaillé de l'état d'hygiène de la capitale, l'ensemble des points noirs signalés. Après, mais par exemple, tous ces échafaudages qu'il y a sur les trottoirs en ce moment, par rapport, je vous donne un chiffre, l'année 2023, l'occupation illicite de la voie publique, c'est-à-dire qu'ils mettent des bidons pour occuper un douhanot, ils dégagent à terre. Donc, on les signale. Les autorités locales, la commune, ils interviennent automatiquement à T0. C'est-à-dire qu'on a pu signaler plus de 1200 points d'occupation illicite de la voie publique. C'est-à-dire qu'il y a un douhanot, les rajouts, les tindas, et sans etc. demander autorisation, il faut comme ils veulent. Voilà, mettez vos casques, on prend notre appel au 021 48 15 15. Monsieur Chouki, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes en direct. Alors vous êtes de quel côté à Alger? Je suis pas là. Ah, vous êtes belle, là, toujours encore. Ouais. Vous êtes donné le mot, la commune de Sibella. J'ai entendu le bonhomme de tout à l'heure. Oui. Je le rejoins totalement. Là, du côté de la poste, la polyclinique, vraiment, c'est dégueulasse. D'accord. Ok. Il n'y a même pas de bac. Il n'y a même pas de bac, d'accord. En tout cas, c'est noté, hein, M. Chouki. On va essayer. Voilà, merci. Il n'y a pas de bac, d'accord. En tout cas, on rappelle qu'il faut aller sur cette application. Merci Chouki pour votre appel. 10h50, c'est presque la fin de l'émission. Peut-être un appel, comme ça fera trois appels, Hakim, monsieur le réalisateur, si vous le voulez bien. Merci. Monsieur Berkani, vous avez vu, donc... Par rapport à ce point-là, on trouve des difficultés. C'est-à-dire, dit, nous, c'est les épiques de la wilaya d'Alger, à déposer les bacs au niveau des cités. Pourquoi? Parce que les citoyens ne veulent pas mettre les bacs. C'est-à-dire, quand on fait l'étude de gestion de déchets, là où le camion il passe, là où il y a l'accessibilité, on désigne un point de collecte. Et les citoyens ne disent pas à côté. Alors, ça devient très problématique cette histoire. Je ne sais pas si le Wali réfléchit, mais beaucoup de personnes baladent avec leur sac de poubelle dans la voiture pour trouver un point. Parce qu'il n'y a pas de bac. Donc, par rapport aussi aux nouvelles cités, on a songé à mettre des points de collecte, c'est-à-dire fixes. Quitte le citoyen de la cité, il a le point de collecte, il ne peut pas le changer. Il est là par rapport à l'étude de gestion des... C'est-à-dire un ancrage. Dans les mentalités, mais les anciens, on est en train on de... On a du mal de leur dire. Oui, monsieur Bali. Les deux citoyens nous ont appelé, le point Adam. Nous allons prendre en charge le chauffeur et le scooter. On va faire un rapport. Un rapport, d'ailleurs. On va, s'il y a un problème de bac, ça va être réglé. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Mais. Il détermine le lieu. En tout cas, on a eu deux appels. Peut-être qu'il y a eu d'autres encore, mais le temps ne nous permet pas. Vous voulez lancer encore un appel avant de nous quitter, M. Berkani, M. Bali, par rapport à votre unité de motocycle. Donc, elle existe depuis 2 ans. Il y a eu 12 000 interventions. Création d'emplois, ça c'est important. Vous avez des jeunes que vous avez formés. Nous,
ورينا لهم كاع واش لازم الحمد لله راهم سير تيران يتخافاي لاباس الحمد لله داكور لابليكاسيون كي است كو فو ميم فوتر يونيتي ا كري اون ابليكاسيون او ان نيميرو فير. C'est le numéro vert, il est en cours de réalisation, mais la nouveauté, c'est-à-dire la modernisation, la numérisation, la digitalisation de ce secteur de l'environnement, ça, et l'approche du terrain, c'est-à-dire on va lier le terrain vers l'administrateur au niveau, c'est-à-dire les points noirs là-dedans. Quand on termine le travail de la journée, il y a des correspondances officielles signées par M. Louali Danger avec des délais. Oui, mais avec des délais, voilà, il y a correspondance. Avec des délais, bien sûr. Parce que c'est bien la modernisation, la digitalisation. Avec des délais, c'est-à-dire il y a le côté administratif strict et rigide. Qui suit, voilà, la vitesse. Je veux dire, vous êtes sur le terrain, vous signalez, on ne va pas mettre un mois ou deux mois pour régler le problème. On a fusionné la modernisation, la technicité avec l'administration pour aboutir à un environnement sain pour améliorer la qualité de vie des citoyens. D'accord, que ça doit être un peu plus visible pour nous citoyens qui sommes dans Alger et ses environs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est la fin de l'émission, messieurs. Monsieur Bali, vous êtes le responsable donc des opérations de l'unité, on peut vous voir sur le terrain. حنا لي سكوتر تاعنا راهم سير تينا وحنا حنا الجي سي 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 الغاية سي 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 عبد الله سي اون توش تو لي كوان دالجي حنا ماشي على الجي سونتر حنا نخدمو بور ساتيسفير تو لي سيتوان دالجي ميرسي الله يربي ان شاء الله مسيو بركاني يعطيكم الصحة مسيو بركاني Je vous remercie, madame. Le temps qu'un c'est, c'est-à-dire qu'on a haïbin, zido. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être avant de nous quitter? On lance un appel aux citoyens, c'est-à-dire même les efforts à de la wilaya d'Alger, la flotte, les moyens, mais qu'on ouche juste par rapport aux citoyens quand il est, c'est-à-dire, il t'halla badi karouh al-mouatana, le civisme ta'ou, l'éco-geste, on parle. C'est humto. C'est humto. C'est, je veux dire, là où il habite, voilà. De respecter faire, les heures de collecte, c'est-à-dire les opérations de volontariat au niveau on de on devrait les multiplier. Voilà. La wilaya d'Alger, elle ouvre les portes à ça. On dote les associations. Vous les équipez, bien je veux dire, sûr, avec les bien camps, sûr, les... bien sûr, madame. Oui. Bien sûr, on est là pour, c'est-à-dire, améliorer l'hygiène et la salubrité de la wilaya d'Alger. En tout cas, nous sommes partie prenante, la chaîne 3, merci pour beaucoup. Que nous puissions vivre dans un environnement sain et une ville propre. C'est un peu la vitrine, Alger, de tout le reste. Merci à vous, messieurs, d'avoir été en direct avec nous. Vous pouvez réécouter l'émission sur Radio Algérie chaîne 3. Si vous êtes insomniaque, à 1h du matin, elle est rediffusée. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Yamnach.